à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Sadek qui clash très fort Laurent Billionnaire et balance sur ses escroqueries. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais depuis plus d'une semaine, le rappeur a décidé de s'en prendre aux influenceurs et candidats de télé-réalité. Selon Sadek, la majorité d'entre eux seraient devenus riches en arnaquant les Français. Il avait notamment clashé très fort Mila et Maeva Ghennam. Tout à l'heure, Sadek s'en est pris cette fois-ci à Laurent et son business de trading. Le rappeur tacle très fort le mari de Jazz, qui serait selon lui un des plus gros escrocs. Il balance tout et explique être prêt à le rencontrer pour régler ses comptes avec lui. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Rien du tout, juste 100 euros à gagner par jour pour tous ceux qui seront présents dans le groupe Telegram juste là. Je vous mets un groupe Telegram qui s'appelle 100 euros par jour. Et tous les jours, il y aura une carte PCS qui sera postée dessus. Et tous les plus rapides, ben vous allez gagner 100 euros, vous allez mettre dans votre poche. Ça sera total. Laurent, vu que tu sais dire Inch'Allah, tu sais pas dire aussi, regarde, Elhamdoulilah. Ça suffit. Combien tu veux les enculer? Combien? Avec tes jolis yeux bleus. Jusqu'à combien tu vas les enculer par jour? 100 euros par jour. Regarde, je vais t'expliquer un truc, Laurent. Arrête de prendre les gens pour des cons. T'as vu les 100 euros par jour que tu mets? Des gens, ils payent des 1500 euros pour créer des canaux Telegram à des influenceurs pour pouvoir avoir de l'affiliation. Arrête de prendre les gens pour des cons. Ça suffit. Va travailler, bordel de merde. Va travailler pour de vrai. Trouve-toi un vrai métier. Enculer les gens, ça suffit. T'as une belle petite tête d'acteur porno, mais tu commences à casser les couilles. Tu vas te calmer maintenant. 100 euros par jour. Je veux rien du tout en retour. 100 euros par jour, Galjo, là. Maman, vous en avez plein des travailleurs à la maison, là. Papa, augmente-leur leur salaire. Hein, à place d'exploiter tout le monde, de toujours vouloir avoir tout gratuit. Arrêtez, putain. Vous me donnez envie de me brancher, là. Merde, de rentrer dans la matrice. Comment ça me casser les couilles, vraiment. 100 euros par jour. Je ne veux rien du tout en retour. Eh ben, ne fais pas de vidéo. Sors, prends ta Lamborghini ou ta Rolls et va les distribuer dans la rue. Il y a plein de gens qui en meurent d'envie. Donne 1000 à des Français, tiens. Elle, tu sais quoi, c'était vraiment un show. Elle donne 10 000 par jour. Et là, on va voir. Là, ça vaut le coup là, de faire monter ton canal Telegram pour enculer les gens. 100 euros par jour, enculer, ça fait 700 euros par semaine. Combien tu leur prends aux gens? Les gens qui ont fait des abonnements avec toi à 1 euro, tu leur prends 50 euros par mois sur des milliers de personnes. Évidemment que tu peux donner 100 euros par jour. Et tu les donnes pas en plus. T'es mal, enculé que t'es. Tu les donnes pas. Tu veux qu'ils viennent sur le canal Telegram. Tu veux qu'ils viennent sur le canal Telegram. Allez, les gars, on va voir qu'est-ce qui va devenir dans une semaine ce canal Telegram. 100 euros par jour. Bon, mettons que t'as même 10 000 personnes. Bah, tu sais que t'as plus de ce fort. Parce que les gens, ils ont capté. C'est bon, ils ont capté. Mais allez, t'as 10 000 personnes. Ça veut dire que t'as ramené chaque personne pour 0,01 euro. Le calcul, il est génial. Et ensuite, qu'est-ce que tu leur proposes à ces gens-là? Le canal Telegram, c'est quoi? C'est pour leur montrer des vidéos marrantes? Ou pour leur parler comment sauver leur vie? Et plutôt que sauver leur vie, toi, tu vas niquer la leur pour mettre bien ta petite famille? C'est bon, ça suffit, frère. T'as une belle maison, t'as des voitures, ça suffit. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Tu manges pas cher, tu vas dans une salle de sport pas chère. Ça va, frérot? Elhamdoulilah. Même les chétans, gros, même les genoux, ils savent dire ça. Même les genoux, ils savent prier Dieu. Tu sais pas le faire, ça? Alhamdoulilah, ça y est, fin. Même les plus grands trafiquants de la planète, il y a un moment où ils disent quoi? On disparaît. Non, toi, jusqu'à l'os, les familles, les niquer toutes les familles de France, niquer toutes les familles de France, et garder le sourire comme ça. Tu es vraiment la trop méchante personne. Ok. Il y a 5 personnes qui ont trouvé le ticket d'or. La seule chose que je vous demande, c'est de venir avec la joie, la bonne humeur et un estomac bien vide. C'est tout. Y a pas le canal Telegram, y a pas de conneries. Venez juste kiffer avec Yo-Yo. Ouais, ça se dit comme ça en espagnol français. Yo-Yo. Mais c'est pas Johan, c'est Jo. Tu vois, parce que les J, ça se dit Yo-Yo. Venez prendre du plaisir, bande de petites gourmandes, avec Yo-Yo. Et vous êtes tous contactés en privé. Et vous avez été nombreux à répondre de France. Quand je reviendrai, on se fera ça souvent. Vous savez que je connais les bonnes adresses. Ouais, pas de racisme sommaire, hein. Et puis il est bien plus gay que Portu. Pas question d'homophobie, c'est juste qu'il encule les gens à tellement patate qu'au bout d'un moment, c'est qu'il doit aider ça. Yes! C'est très simple.
tu vas pas continuer à feinter comme ça pendant 20 ans, vu que t'es très intelligent, parce que pour monter toutes ces arnaques, il faut quand même avoir une sacrée jugeote, ce que je te propose, c'est qu'on fasse un débat, tu vois. Toi, ça se voit que t'es un garçon intelligent, tu vas pas me parler de bagarre, de conneries, de... Viens, on fait un débat, défends ta cause, démontre que le trading et que tes conneries, là, ça marche, et moi, je te prouve par A plus B que tout ce que tu fais, c'est des arnaques. Je te montre par A plus B que tout ce que tu fais, c'est des arnaques. T'as vu, on m'a beaucoup pris pour un fou ces derniers temps parce que vous avez tellement pissé dans le cerveau des gens qu'en vrai de vrai, vous m'avez blessé le cœur. C'est-à-dire, j'ai le cœur qui saigne. Donc moi, quand mon cœur il saigne, je ne fais que l'insulter. Là, Dieu merci, grâce au beau climat de votre ville, dans laquelle je compte bien rester longtemps, je me suis apaisé. Ne faites pas comme si je n'étais pas quelqu'un d'important. Même dans votre monde, je suis quelqu'un d'important. Je fais plus de vues que 95% des candidats de télé-réalité. Donc c'est ce qui vous intéresse. Vous êtes comme moi les jojos. Hein. Je sais que vous détestez Twitter, toutes les conneries, etc. Mais eux, ils réagissent qu'à ça. Donc vous allez me mettre en numéro 1 des tendances là maintenant. Rends l'argent Laurent. Voilà. Vous allez me le mettre en numéro 1 des tendances partout. Rends l'argent Laurent jusqu'à ce qu'il daigne répondre et accepter un débat sur un live Instagram, ce qu'il veut. Je lui donne une heure. On ne se coupe pas la parole. On parle comme des adultes. Pas d'insultes. Pas de coups en dessous de la ceinture. Vous savez que quand je dis quelque chose, je le fais. Moi, contrairement à eux, j'ai toujours prouvé par A plus B dans le bien et dans le mal. Donc, faisons-le. Ou sinon, après, si je vois qu'il n'y a pas de réponse, si je vois qu'on n'y arrive pas à communiquer et à montrer que tout ça est une vaste escroquerie, ce que je ferai, c'est que je prendrai les démarches judiciaires et tout ce qui est en mon pouvoir pour vous mettre en prison les uns après les autres. J'ai déjà reçu énormément de menaces de mort. Je ne me sens plus en sécurité. Et je pense qu'il est temps de... faire appel à la police Dubaï. Moi, je prends le temps de vous répondre un petit peu parce que vous avez des interrogations et c'est important. À Dubaï, la violence n'existe pas. À Dubaï, il est impossible de taper quelqu'un. Et ils le savent, c'est pour ça que eux qui se faisaient racketter en France, qui pour moi était juste quelque chose d'extrêmement normal, parce qu'au bout d'un moment, ils n'arrivent pas, vu qu'ils aiment bien utiliser des mots américains tels que level up, ils n'arrivent pas à give back, redonner. De même, donc il faut les racketter. En tout cas, ils se font racketter. Je ne sais pas s'il le faut, je ne suis pas Dieu. Mais, moi, j'ai une autre phrase qui dit « À Rome, on fait comme chez les Romains. » Donc, si on est dans un pays où tout le monde est en sécurité et on ne peut que parler convenablement, parlons convenablement comme des Sarkozy, comme des Pasqua, et montrons par A plus B que ces gens-là sont des escrocs notoires. Ah, je sais pas, ils vous parlent toute la journée en vous demandant si vous allez bien, alors que derrière, ils vont vous la mettre dans le huc. Parlons, discutons. Hein, Laurent? Rends l'argent, Laurent. Rends l'argent, rends l'argent, rends l'argent, rends... Yes! Une de moins. Enfin, pas une, hein. Il y en a déjà des milliers. Arrêtez de mentir, vous savez, vous voyez ce que Jojo y fait. Tu te prends la tête avec Jazz, tu dis, mais je ne réponds pas. Ah, pousse-toi, Chelsea. Vous êtes tombé sur un os. Investir sur ces crypto-monnaies. Parce qu'attention, ces crypto-monnaies-là, c'est des crypto-monnaies volatiles. Il y a un moment où vous pouvez faire de l'argent dessus, vous pouvez en perdre énormément. Mais vous n'avez besoin de personne. Il suffit de se créer un portefeuille d'actions. Ça prend 5 secondes. Pourquoi est-ce que eux, surtout dans des domaines comme la crypto-monnaie, où au bout d'un moment, tu ne dois pas partager tes sources avec les autres pour justement être sûr de pouvoir faire une énorme plus-value, pourquoi est-ce que ces gens-là le partageraient avec la terre entière en vous disant « copie-colle » ? Eh bien, je vais vous le dire. Ils vous font acheter des crypto-monnaies, histoire qu'elles montent, eux les revendent, vous perdez votre argent et tout le monde est content. Et en plus de ça, ils vous prennent 300 euros, 50 euros, 100 euros sur un système d'affiliation, c'est-à-dire en vous vendant, vulgairement, hein, en vous vendant à des fonds. Tu leur expliques, Laurent, ou je le fais?